Un des rares deux ans du catalogue, Mutin a vaincu en deux courses et a été le top prize des ventes de l'Arc 2012. Acheté 700 000 euros par Hubie de Burgh, courtier anglais, il était présenté par Christian Edmarek. C'est un fils de Kentucky Dynamite élevé au haras du Kennet. Well, he's a really good-looking horse, a big, strong, rangy horse that's still a little bit immature, and he looks like a horse that's going to really develop over the winter, and he should be a really, really nice three-year-old. You know, he's not like a narrow, sort of a short-cobbled little horse that's going to do his best as two-year-old and not do anything in the future. So we look at him probably like a 10-furlong horse next year, hopefully. You know, he's run the mile very well this year. So we look at him as a next year horse. For the Jockey Club, maybe? Oh, I mean, if he could, it'd be fantastic. But let's dream of that. But in the, you know, take him through the levels. Do you know who bought him and if he will stay in France or not? I'm not sure yet, and I'd rather not say, you know, just let him decide if he wants to stay. But he will stay in Europe. Ah oui, la vente, c'est formidable. D'abord, c'est fantastique pour la famille. On a la mère, on a les sœurs, des frères. Et puis c'est formidable aussi pour Kentucky Dynamite parce que c'est un jeune étalon qu'on a au Kennet et on veut le promouvoir. Donc le cheval valait ce prix-là. Hein. Moi, c'est ce que j'avais de mieux à la maison. Et j'ai des deux ans qui galopent. Donc voilà. Si vous voulez, mon idée était de le courir jeudi dans le groupe 3 pour aller sur le groupe 1 au début novembre. Pour moi, c'est un de mes meilleurs deux ans. Très bien. Bah, bravo. Bah, c'est formidable.